Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness, de la vérité chez Maître de ma vérité. J'espère que vous allez bien les people. Ouais, tranquille, il fait chaud, hein. Canicule. 5 astuces pour lutter contre le manque de motivation. Quand on commence à perdre la motivation, c'est pas trop bon. Eh oui, première étape, préparez votre matériel de sport, ce que vous faites avant d'aller dormir, préparez votre sac de sport, mettez votre gourde, vos baskets, l'antitranspirant, en ce moment du gel hydroalcoolique, vos masques, et préparez aussi pour une femme le legging, pour un homme un short ou un débardeur. Et vous allez voir, quand vous allez rentrer, une petite douche après le travail, après je ne sais pas quoi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, mettez ça devant votre entrée de porte et vous allez voir, vers les chaussures, ça va vous motiver. Deuxième, écoutez de la musique de fitness. Écoutez de la techno. C'est motivation. Écoutez pas de hey, c'est normal, vous allez dormir. Ou du Johnny, ou Maria Carré, ou je ne sais pas quoi, ou du rap. Moi, je suis à West Coast. Je suis dans la banlieue de 2-2-2-5. Ouais. Vous allez faire que de la merde. Troisième. Faites-vous plaisir avant tout. Invitez vos amis. Donc, si vous avez un pote qui veut, à force de parler de la musculation, vous allez le motiver pour qu'il vous accompagne. C'est important. Et quatrième, transpirez entre amis, collègues, famille, votre poteau, votre chérie, vous allez voir, vous allez donner plus d'ambition de aller plus loin dans la musculation et dans la motivation. 5. Récompensez-vous avec, en cas de ça, une bonne collation après l'entraînement. Ça fait un peu de bien. Oui. C'est la clé de la motivation. Il faut vous bouger les fesses. Donc, c'est pas sur un canapé ou sur un parking d'un supermarché que vous allez réussir. Vous allez perdre la motivation. Si vous avez des amis qui sont motivés, qui sont sportifs, quand vous regardez votre ami qui commence à prendre de la masse musculaire, que vous avez un deuxième ami qui fait du cardio, qui est bien, qui travaille dans les bois, ça va plus vous motiver. Vous avez deux portes, ou soit à droite, ou soit à gauche. Sport intérieur, sport extérieur. C'est vous qui voyez. Si vous avez des hatai qui font pas de musculation, qui vous critiquent, qui vous montent les nerfs, ouais, vas-y, tu dis, ouais, je suis allé par toi. Ça, vous mettez une croix dessus. Si vous avez des amis qui sont sportifs, ok. Si vous avez des gens qui sont feignants, allez, ciao, vous le rayez de la liste. Je vous dis, I wanna two biceps, big chest, big cube, big arm. À la prochaine.